Bon, quand même que je fasse attention à l'heure. Il est 22h31, on va essayer de s'arrêter vers 23h31, ce sera pas mal. Enfin, 23h31, c'est plutôt précis quand même. Vers 23h30, j'ai pris la lune! Oui! Oui, c'est bon. Aïe! Alors, comment ça se passe par ici? D'accord. Ah, il est vraiment pas évident, hein. Quand on le découvre la première fois, c'est chaud, hein. Et je sens que je vais quand même galérer quand je vais le refaire, mais surtout en étant invisible, mais ce sera pour le beau jeu. Le beau jeu. Mais oui! On l'entend qui crie Capi! On entend Tiara qui fait Capi! Des fois quand on est dans le coin, quand on arrive, c'est trop mignon. Alors, le petit nez du Triceratops! Hop! Ouais! Et encore deux. On va aller voir vers Perrotruc. Non. Je dis vers Perrotruc. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est plutôt près du T-Rex en fait. Est-ce que c'est sous le T-Rex? En tout cas, sa queue, elle obéit. Et oui, Peach, elle est libre! Et bah, c'est juste là. Et du coup, elle en profite pour elle aussi faire son petit tour du monde. Et on la croise. Là, c'est la deuxième fois qu'on la voit. La première fois, c'était au pays des chapeaux. Le premier monde du jeu. Et on l'a croisé dans une tenue très élégante. Si tu veux que je te montre, tu le dis, hein, j'ai fait des photos. Eh oui, j'ai fait des photos. Et je pense qu'on va la retrouver dans pas mal d'endroits différents quand même. Parce qu'elle fait ce petit tour du monde avec Tiara et je trouve ça très très cool. Alors, bah voilà! 40 lunes sur 40 lunes. Allez, deuxième monde fini. Là, on va passer aux choses sérieuses. Toutes ces lunes au compteur, c'est beau. 619. Bah très bien, bah je vais montrer pour Pierrot aussi du coup. Alors, Peach, elle était superbement habillée, bah voilà, juste là en plus, hein. Très très élégant, en raccord avec, avec le pays. Très jolie. Trop mignonne. Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont choupettes! Et je trouve que sa tenue, elle est magnifique avec le petit nœud sur le côté. C'est vraiment très chouette. Et puis là, la petite tenue d'exploratrice, c'est génial. J'ai hâte de voir la prochaine tenue. Oui, on a des nouveaux mondes. Coucou Aurore!
Alors, enfin, c'est pas vraiment des nouveaux mondes, mais c'est de nouveaux endroits. Les nouveaux endroits étant. Alors, déjà, le royaume champignon, hein, c'est très important. Ensuite, quand on récupère assez de lune, on débloque le côté obscur de la lune. Ça, je ne l'ai pas touché encore. Je suis juste allé là-bas pour lire la brochure. Et on a le côté très obscur, donc c'est le dark side du dark side of the moon. Et ça, on l'a fait parce qu'il y avait une lune, et c'était là où il y avait justement le défi, l'ultime destination, pardon. Et ça, success! On a réussi. Alors, eh bien, passons au pays des sables. Et après, on aura le côté très, 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 vraiment super, très obscur. C'est ce qu'on se disait, oui. C'est qu'il va peut-être y avoir un super, méga, très, très sombre, oulala, trop dark, so much darker of the moon, of the death. Tout à fait, ouais. Bah, c'était l'idée dès le départ, hein, de faire le 100%. Oh, Capi, dormait sur la tête à Mario. De faire le 100% en stream, en plus. Donc vous ne ratez rien. Ça fait un super guide pour ceux qui sont perdus. Faut juste retrouver des bons passages. Bonne nuit Kimou, repose-toi bien. Eh oui, forcément, encore un koyu. Mais avant le koyu, on va déjà voir ce qu'on peut faire. Ah, il y a le petit hôte de la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue ici les Kamami, mais je l'ai perdu de vue. Je le soupçonne de s'être logé sur le crâne de quelqu'un pour échapper à la chaleur. Ah. Où peut-il bien être? J'aime énormément le fait qu'il y ait plein de personnages d'autres mondes dans les autres mondes, justement. J'aime énormément cette idée. C'est génial. T'as 100% de planètes. Hey, nice! Les deux avec le moins de lune. Bah, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix, honnêtement. C'est déjà vachement bien. Zalor! C'est sympa de te revoir ici! Après toutes nos pérégrinations, on se retrouve là où on s'est rencontrés! Je suis content d'être de retour à la maison. Mais ça m'a fait plaisir de te croiser ici et là dans le vaste monde. Tiens, prends ça! Encore? Ouais! De retour après avoir vu le monde. Wouhou! Après tous ces kilomètres, nous avons bien mérité un peu de repos. Maintenant, j'ai des souvenirs plein la tête. Oh, absolument fantastique, The Voyage. Merci. Oh, ils ont fini leur voyage. Oh là là. Ça soit pas des mondes, mais vraiment des pays. C'est ça, oui, c'est ça. Dans Sunshine, c'était une île, mais il y avait rarement des personnes d'un endroit dans les autres endroits. Oui! C'est pour ça que je suis contente de voir un peu justement les mondes qui se mélangent. Je trouve ça vachement chouette. Enfin, les pays qui sont visités par d'autres, je trouve ça très chouette. Alors, qu'est-ce que tu veux, petit Toad? Salut! Je parcours le monde en quête de nouveaux sons. Là, je cherche une musique sur le thème bien spécial. Tu pourrais peut-être m'aider, tiens! Tu t'y connais en musique? Le thème? Minute papillon, j'y viens! Souvenir d'une tête à claque! Ah! Alors, est-ce que c'est à part les boss? Oui, c'est ça! C'est la musique que je voulais entendre! Merci! Tiens! Je te donne ça! Un bon son au pays des sables! Ouais, enfin, c'est pas super agréable comme musique, ça. C'est plutôt stressant, tu sais. On va l'arrêter, hein. Alors. Il faudrait trouver quelqu'un
qui n'avait peut-être pas de chapeau, avec un chapeau. Ah ah! Hein? Mais comment m'as-tu trouvé? J'étais fourni dans le paysage comme un glaçon au soleil! Comme un glaçon au fond au soleil! Je t'avoue, j'ai pas fait exprès, mais oui! Tiens, je te donne ça! En échange, t'as dit à personne que tu m'as vu, ok? Moi j'ai vu qu'on pouvait parler à quelqu'un, j'ai parlé, j'ai pas fait gaffe. Oh, le petit chapeau, c'est rigolo. Putain, il ressemble presque à Clark Kent, c'est rigolo. Ou à Batman, au choix. Ou aux deux. Mais oui, les petits escargots avec leur petit sombrero. Alors, est-ce que Peach est là-haut? C'est relié par câble. Il ressemble à Archer. C'est vrai aussi, oui. Héreux, elle killer. Aha! Oh! Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles! Je vais le dire à chaque fois, hein, je suis désolée. Je ne reviens pas qu'une construction en pierre aussi énorme puisse flotter dans les airs. Le monde est plein de surprises. Tu me demandes comment elle flotte et pourquoi elle est à l'envers? Que de mystère! À propos, j'ai trouvé une lune dans le sable. Tiens, fais-en bon usage. Yes! Ah! Je repensais à ce pays plein de fleurs et de verdure. J'aimerais bien y retourner. TKT, on va y aller! Elle est trop belle! Et oui, tiens d'ailleurs, maintenant que l'anneau est revenu... Incroyable chute! Esquive! Oh! Ouah. Ah oui, c'est le Bullet Bill qui explose. Ah bah oui, bah ça effectivement, c'est clair que des fois les CD, il faut en prendre soin, oui. Mais sinon oui, c'est trop cool de la voir se balader, moi j'aime ça, j'aime ça parce que c'est génial, enfin, elle reste pas dans son château, elle se balade, elle revoit tous les trucs, enfin c'est, je trouve ça très très cool quoi. Il y a Mario qui se les caille. Elles ont des petits bérets, trop mignons. J'ai trouvé la bague d'union, mais elle est trop grosse, je ne peux pas la porter. Ah bah oui, bah ça... Allez, on fait une dada sur la bague. Haha, elle est à moi, j'ai passé l'anneau. Regardez, je suis mariée, ça y est. Par contre, je sais toujours pas comment est-ce qu'on va là-haut. Hein. Parce que rappelons-le, là-haut, il y a des pièces. Hein.
Quoique, peut-être que maintenant, on peut essayer des trucs. Presque! Presque! Ah, on est maintenant en magnifique tenue. Petit Akama. Enfin, Akama, non. Petit Happy avec un petit béret, justement. Comme ça, Mario, il se l'écaille encore plus. Je vais réessayer, hein. Voilà. Mais par contre, je sais pas comment est-ce qu'on monte là-haut. Est-ce qu'il va s'accrocher à la corniche ou c'est juste pour faire beau? Parce qu'il pourrait peut-être s'accrocher là. On va essayer dans un endroit qui est plus safe, hein. Ah! Par contre, pas si je me trompe de touche! Bon bah voilà, hein. Et coucou Kat, ça va? Enfin, Kat Otani, pour le cas où il y a aussi l'autre Kat. Donc du coup, je vais dire juste Otani. Oh! On est un magnifique explorateur avec promotion pour Crazy Cap. Oh mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ah, la course, elle est là-bas. C'est parti. Oh oui, vas-y, tu peux dire, hein. Mais bon, de toute manière, ça a l'air d'être que des pièces, donc... Oh! Ils sont trop mignons d'être partout comme ça. Est-ce qu'on a le droit au Jaxi pour la course? Alors... On pouvait pas éteindre. Si, mais j'avais essayé et ça faisait rien avant. Peut-être que maintenant ça a changé. Il faut aller au centre, tout là-bas. J'ai le droit au Jaxi? Allez! Par contre, je sais pas trop comment est-ce que je vais réussir à aller plus vite que ça. Jette un œil à ça. Alors. Ah, faudra que je regarde ça, oui, effectivement. Je l'ai pas encore vu. Je regarderai ça après, je laisse le truc ouvert, comme ça j'y penserai. C'est vrai qu'il y a personne qui a encore fait « Hey, Jaxi, triche, triche !» Il a mis sa cascade à l'envers. Eh oui! Mais c'est parce que c'est un cool kid Koopa! Wouah, 33! Incroyable! De toute manière, on reviendra pour faire la course en expert quand on aura ouvert le cube. Là, comment on est? Il nous manque une seule lune, visiblement. On va aller demander au perroquet et puis après. Ah, tu voulais dire. Oui, comme un taxi! Oui, c'est vrai! Pour faire. Hé! Hey, Jaxi! Les deux marchaient. Oui, bon. Ah! Ma manette. Ma manette.
Et voilà. Avec l'indice du pays des sables. Il y a une photo maintenant ici. Faut qu'on la trouve alors. Photo. On va déjà regarder en ville. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils doivent avoir chaud, les pauvres! Ils doivent avoir tellement chaud! Alors, il faut qu'on trouve un petit encadré pour une petite photo. Ah bah voilà, trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est chez Bowser. 6 lune ou alors 3 depuis le drapeau. On va aller faire ça. Alors, donc il faudrait aller à la boutique déjà. Ah oui, non, mais ce pays, il est muy bien, je sais pas comment on dit. C'est Daisuke. Oui, je sais, il y a un cube. Arrête de le dire à chaque monde, please. Je sais, je connais. Tu ne lis plus le didacticiel, arrête avec tes cubes. Donc. Ah bah elles sont... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh mais non, mais... En plus elle a un petit masque, oh là là. Mais non, mais trop chou. Petite libellule. Casse-toi la libellule, voilà. Elles sont trop mignonnes. Tellement mignonnes. Le château de Bowser. C'est bien la première fois que j'y viens de mon plein gré. Eh, voilà. Elle l'avoue, c'est la première fois qu'elle y vient de son plein gré. Bim. Dire qu'à la base, ce vaisseau était abandonné. Eh oui, hein. Il y a un cube. Non. Mais oui, son yukata, il est trop joli. Enfin, je sens qu'elle va être super à chaque monde, honnêtement. Ah, c'est clair que là, les créateurs, ils se sont fait plaisir, hein, honnêtement. Et les cosplayers aussi, je suis sûre, ils vont faire des trucs incroyables. Entre tous les mélanges qu'on peut faire avec les costumes de Mario et toutes les tenues de Peach, ça va être assez foufou. Et puis, j'espère qu'il y aura des petits costumes aussi de Capi et Tiara, pourquoi pas. Ce château est vraiment très impressionnant. Tiens, cette lune est tombée du ciel. Prends-la avec toi, s'il te plaît. Incroyable, un cadeau tombé du ciel. Littéralement. J'aurais pensé à ce pays plein de fleurs. Ah bah oui, non mais on va y aller. Alors, est-ce que c'est les pierres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ça fait 1, 2, 3. C'est peut-être celle-là. C'est complètement celle-là. Hey! C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit un bout en plus. Temps de raffinement me touche droit au processeur. Oh.
Maintenant que je l'ai vu sur Twitter, j'arrête pas de penser. Il y a quelqu'un qui a, on va dire, mal compris que ce que dit cette personne quand on lui parle, quand il nous accueille, il dit I just want to die. Mais non. Mais ça, maintenant, c'est vrai que ça y ressemble un peu, mais non. There's somebody for that. I just want to die. There's somebody for that. Non. Donc ça, on les prendra plus tard. J'ai pas encore assez pour un ensemble de métal ou d'or. There's somebody for that. Oh. Un peu, oui, c'est vrai que ça fait un petit peu ça. Coucou. Puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que sur la valise de Peach, il y a tous les autocollants. Comme sur notre vaisseau. Est-ce que ça veut dire qu'elle voyage dans sa valise? Alors, donc on retourne au désert. Ah, le jeu est tranquille, chill, tout ça. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Mais sinon, oui, quand même. Mais après, ça dépend. Et salut, Assi, ça va? Ou c'était Asie? Maintenant, je sais plus. Voilà. Ah. Non, mais... le jour où j'aurai une mémoire, je saurai m'en servir. Ou pas. Ah bah dis donc. Commence à fatiguer, mais ça va. De toute manière, on a dit ce soir on stream pas trop tard vu que demain il faut que je me lève tôt. Oui je sais, incroyable. Une roche. Je dis comme je veux. Très bien. Hey, y'a un bloc. Ah. Oui, je l'ai vu, le bloc de fer. Et on le casse avec le cul. Le bloc lunaire, même. Alors. Ah, très bien. On passe de 69 lunes à 89. Oh. 89. C'est parti! Il y en a un pas loin apparemment. C'est des lapichous! Alors j'imagine que c'est le dernier qui donnera le... la lune. On va peut-être se débarrasser des cactus. Voilà. Dans le cactus, enfin. Ah. Oui, non, heureusement, en plus, ils sont sympas, celles-là, elles sont directement indiquées sur la carte, même si on sait pas toujours quoi faire. Il faut... Ah bah non, c'était lui. Il faut quand même chercher un peu. Des fois, c'est plus ou moins évident ce qu'il faut faire, mais faut quand même parfois bien réfléchir. On va quand même attraper le dernier, histoire de... Et voilà! On a eu les trois. Et moi j'ai toujours mon épine. Ah ça y est, mon nez est guéri.
Mon nez est guéri. Et oui, les blocs débloquent de nouvelles lunes, tout à fait. Mais donc oui, heureusement, hein, on s'est indiqué parce que sinon, c'est vrai que ça deviendrait compliqué. Alors, est-ce qu'elle est en hauteur la prochaine lune ou elle est... Non, elle doit être en bas, sinon on la verrait. Après, il y a des challenges assez technique hein, quand même. C'est peut-être pas forcément les trucs les plus durs du monde, mais il y a quand même des choses qui sont assez pénibles. Ouais, donc il faut utiliser le Jaxi pour ça. Il faut utiliser le Jaxi. Mais donc oui, il y a quand même des petits trucs qui sont pas évidents. Et en plus de ça, on a aussi refait... Ah putain! Ah! On a aussi refait au Royaume Champignon certains boss, en mode boss rush. Enfin pas boss rush, mais en mode plus dur. Donc c'était assez corsé ça parfois. Ah mais oui, mais forcément, mais j'arrive pas. Il faudrait que j'arrive à partir tout droit. Parce que sinon, à chaque fois, le temps que je le redresse, c'est super chiant. Alors. Est-ce que ça va suffire? On va dire que oui. Faut rester à peu près droit maintenant. Fallait juste réussir à partir à peu près droit. Parce que sinon, c'était trop compliqué. Oups! Alors, ensuite. Mais ouais, il y en a qui sont vraiment très durs, hein, mais... Puis après, quand on a quand même assez le jeu dans les doigts, ça va. Trouve, mais ça n'empêche que je réussis pas tout du premier coup, hein. Je meurs très souvent. Alors. Ah, petit défi à m'as-tu vu? Ah bah la clé, elle est carrément là. Alors. Bah je sais pas encore combien d'heures de jeu j'ai dessus parce que la Switch a un super système où elle n'indique pas précisément le nombre d'heures de jeu passées sur un jeu avant un certain nombre de jours passés. Voilà. Donc pour le moment, je sais pas combien d'heures de jeu j'ai dessus. Je peux pas le dire. Vu qu'on n'a pas de journal précis sur la Switch. Ça c'est relou, j'espère qu'un jour on en aura un. Sinon, il faut faire le cumul de mes VOD pour savoir.
Après, si c'est juste pour savoir combien de temps on peut finir le jeu, oh mon dieu. Le jeu peut se finir très vite comme le jeu peut ne pas se finir très vite. Ça dépend de si on décide de rusher jusqu'à la fin de l'histoire ou si vous voulez faire comme moi j'ai fait, à savoir prendre le temps de bien récupérer toutes les lunes dans chaque monde avant de passer au suivant. Dans ce cas-là, c'est clair que oui, ça fait déjà de base augmenter le temps de jeu. Mais après, par contre, rien n'empêche de rusher au tout départ et de revenir une fois l'histoire finie, tout récupérer. Donc bon. La feature existe, elle est juste bloquée avant. Bah oui, c'est ça. Et encore, c'est même pas précis, c'est à chaque fois tant d'heures ou plus. C'est... Sur ça, franchement, par contre, j'aimerais bien avoir un vrai journal de jeu, quand même, ce serait beaucoup plus simple. Depuis que les touristes sont de retour, il y a beaucoup d'animations. Ah bah oui. Alors, près de l'oasis, téléportation! Bah dans ce cas, tu devrais peut-être finir le jeu assez rapidement, mais ce sera juste l'histoire principale. Après, il y a tellement de choses qui se débloquent une fois que t'as vu les crédits, c'est assez fou. Oh, les poissons! Et si on s'en faisait, si on en faisait griller en papillote? Y a que toi qui parles? Y a que lui qui parle. Ils sont tellement mignons. Alors... C'est plus par là. Ah, c'est sur le palmier. Très bien. Bon, celle-là était pas trop dure. Ah, la marche Koopa, il y a un nouveau truc. On va aller faire ça. Bah oui, tout ce bonheur, ça fait du bien. Oups! Salut, copain! Un petit défi, ça te dit? Marcher, c'est bien, mais marcher dans les règles, c'est encore mieux. Et c'est ça que je te propose d'essayer. Content de te revoir, copain. T'as de la chance, j'ai un nouveau prix à décerner. Tu veux tenter le coup? Eh bah... oui. Alors c'est... Enfin... Il n'y a pas du multi à proprement parler. On peut jouer à deux. L'un contrôle Mario et l'autre contrôle Capi, le chapeau qui permet les transformations et tout ça. Et c'est tout. Par contre, en multi, entre guillemets, en fait, on peut juste voir le score de ses amis et le score mondial sur différents mini-jeux. Et c'est tout. Mais de toute manière, hein, Mario, c'est jamais vraiment multi, à part les jeux spécifiques, style Mario Kart, ou Mario Party, ou ce genre de choses. Les Mario style Mario Sunshine, Mario 64, rarement multi. On n'attend pas que ce soit un jeu en multi. Enfin, en tout cas, moi non. Oui, c'est un nouveau soleil presque, le vaisseau. Tu t'es tellement foiré la première fois. Ah oui. Je crois que la première fois, je l'avais raté, mais pas trop... non plus, je sais plus trop. Par contre, tout ce que je sais, c'est que j'ai réussi à faire un 100... un score de 100 dans celui des glaces. Et ça, je suis fière. T'as fait un 99 sur celui-ci. Eh ben, dis donc. Alors, donc...
Ouais. Ouais. Ah, il faut faire au moins 90 points. C'est ça la nouvelle difficulté. Très bien. Ah! Ah, oh, mais il a été généreux, c'est pas possible! Je me suis foiré à la fin! Je m'en fous! Même si tu fais 100, j'étais la première à faire 100 entre nous deux! Hé! Hey, hey. Devineur. Alors, la personne qui contrôle Capi, en fait, je vais montrer ça vite fait à moi toute seule, ça va être fantastique. Alors. Voilà. Donc là, je suis Mario, je peux sauter tout ça, je peux faire tout pareil que d'habitude. Il y a juste la caméra du coup qui est remise. Parce que là, j'utilise un Joy-Con chacun, mais on peut très bien utiliser deux Joy-Con chacun, hein. Et alors, avec Capi, eh ben, on peut s'envoler, se déplacer librement. Le seul truc qui est chiant, c'est que, à moins qu'on manipule soi-même la caméra en tant que Capi, la caméra reste centrée sur Mario. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Par exemple, si le joueur qui veut faire Capi se barre à droite à gauche, il peut du coup être très souvent hors champ. Mais par contre, après, ça peut peut-être permettre. Alors, c'est un peu compliqué de faire ça tout seul, mais ça peut permettre de faire des trucs assez sympas si la personne assiste Mario. Je pense qu'il y a moyen de faire des sauts assez craqués. Je pense qu'il y a moyen de faire des sauts assez craqués. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que, donc, Capi, il peut décider de ce que Mario va contrôler, mais pendant que Mario est dans une chapimorphose, eh ben, Capi, il peut se balader autour. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, par contre, je vais repasser en solo, parce que là, c'est un peu dur de jouer comme ça. Voilà. Mais je pense qu'il y a moyen de casser le jeu en speedrun en jouant à deux. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des sauts qui ont l'air assez intéressants à faire quand on est en multi. Donc j'espère qu'il y aura des speedruns à deux, honnêtement, parce que ça me semble super intéressant. Mais après, il y a moyen que ce soit très très fun, hein. C'est juste que, bon, la plupart du temps, la caméra va pas être sur Capi, et ça, c'est un peu emmerdant. À moins que Capi ressente la caméra sur lui régulièrement, c'est vrai que ça va être un peu compliqué de bien se voir. Mais c'est pas impossible, quoi. C'est pas impossible. Bah, bonne nuit, Axo! Ouais! Non, ça va, il n'y en a pas de nouveau dans les ruines Jaxi, tout va bien. Ah, il faut venir en bullet bill jusqu'ici, sérieusement. Oh la vache. Impossible de tremper ne serait-ce qu'un bout de nageoire là-dedans. Ah ça non, effectivement, oui, je recommande pas. Eh ben, on va essayer, hein.
On va essayer de voir si les boulettes Bill arrivent à survivre aussi longtemps. Ah oui, alors ça par contre, le jeu en tasse, oh ça sera complètement fou à mon avis. Hein. Parce que c'est... j'ai un ami qui s'entraîne au speedrun en ce moment et apparemment, pour l'instant en tout cas, c'est vraiment de l'exécution pure et dure. Donc... ah bah non, bah je vais pas aller loin comme ça. C'est vraiment de l'exécution pure et dure. Le jeu, pour l'instant, est pas trop un gruyère apparemment. Donc, à moins d'utiliser des techniques de saut assez fofolles pour accéder à des trucs un peu plus tôt, le jeu a l'air plutôt solide. Donc, ouais, non, c'est... il ne vit pas assez longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres... comment je pourrais faire? Est-ce que le Jaxi pourrait foncer dedans? Il faudrait sauter de là-haut? Ça me paraît un peu fou quand même. Oups. On va essayer de voir, mais parce que lui, je pense pas qu'il puisse casser le rocher. Alors, est-ce qu'il faudrait réussir à... D'ailleurs, il y a... il y a une lune là-bas. Est-ce qu'il faudrait ramener le Jaxi là? Ça me paraît beaucoup trop loin pour qu'il puisse sauter comme ça. Et de la plateforme, c'est pareil, ça me paraît assez... déjà, ça me paraît trop bas. Non, puis en plus, le Jaxi, il peut juste monter là. Il faudrait monter là, tourner. Non, je pense pas que ce soit ça. Il doit y avoir autre chose. Il doit forcément y avoir autre chose. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Et les boulettes billes sont un peu trop loin. Il n'y en aurait pas des plus près. J'avoue que là, je sais pas bien. Ouais! Bon, je vais laisser ça pour l'instant. On verra bien. Je vais... pourquoi il y a encore des affiches ici? Ah bah oui! Qui c'est qui a collé ces posters ici? Et le respect de l'espace public alors? Décidément, il n'y a plus de denaise! Ah mais je rate mes trucs. Wouhou! Faut appeler Cumulia. Merci pour les nettoyages. Et je crois qu'il a dit un truc du genre « Zé pour toi » ou quelque chose comme ça. « Zé mieux comme ça !» Voilà. Même pas. Même pas c'est pour moi quoi. Terre. Ah non, c'est plus par là-bas. Oh!
téléportation. Est-ce que vous êtes prêts pour une très longue balade en Goomba? J'avoue, on pourrait mettre une petite musique. Allez, on va se mettre. Alors, je vais pas mettre Jump Up Superstar parce que sinon, Indigeste, ça va râler. On va mettre. Alors, c'était par où? C'était par là, je crois. Ouais. On est un peu trop... trop décalé. C'est par là-bas. Ah bah, c'est clair que les Goombas et les Toads, leur quota de mignonitude, mignonneté, est bien trop mésestimé. Et voilà! L'amour au bout du désert! Petit bisou! Moi! 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 Elle est tellement choupie! Mais je peux pas faire de photos en première vue. Mais non, mais ferme pas les yeux! Enfin, double ferme pas les yeux, parce que là, ses yeux sont fermés, mais ils sont ouverts. Allez comprendre. Ce plan distant. Allez! C'est parti pour la course numéro 2. Bonne nuit Julie, de toute manière je vais pas tarder à y aller aussi. Tirez le Jaxi! Oh le petit fourbe! Oh le petit fourbe! Tada! Tu l'as même pas fait exprès, c'est vrai. Ouais. Et du coup, j'ai fait un nouveau temps. J'ai fait combien déjà? 34 quelque chose, c'est ça? 34, 35. Eh, c'est chouette. Ça me va. Ça me va. Alors... 23h27, ouais, ça va bientôt être l'heure de s'arrêter quand même. Mais j'avoue que ce point de...
Ce point de lune me laisse perplexe quand même. Parce qu'il n'y a pas vraiment de boulet de bide à porter. Et puis ouais, je sais que le Jaxi pourrait détruire le bloc, mais de là à sauter... Enfin, d'ici, c'est pas possible qu'il saute là-bas. Mais réussir à le faire atterrir sur le bloc depuis la pyramide, est-ce que c'est ça la solution? Ça me paraît un peu foufou. Est-ce qu'il faut défoncer le pilier? Non. En plus, on lui fait... Je suis désolée! Pour me faire pardonner de t'avoir fait foncer dans le mur, je te propose qu'on tombe dans le trou. Ça te va? Très bien. Je vais quand même essayer, ça m'intrigue. Et puis après, bon, je m'arrêterai pour ce soir. Soyons raisonnables. Si je veux pas être trop crevé demain, naturellement. Ah, maintenant, il y a une lune là-bas, d'ailleurs. Ah! Alors là, il risque de nous reparler. Même pas! Je m'attendais à ce que ça redéclenche la cinématique du Jaxi qui nous fait sur son topo un petit peu tristouné quand même, son histoire. Mais en fait, pas du tout. Je m'attendais à ce que ça soit coupé. Et non, bon, maintenant je le sais, ça coupe pas. Ça coupe pas. Ah, ah. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas de boulet de bile là-dedans, mais... Peut-être que des choses ont été modifiées. Et oui, il y a la casquette à Luigi, tout à fait. Il y a même la tenue complète de Luigi. Mais pas de Luigi. Même pas de Luigi pixelisé. Alors... Ah! 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 Mais non, mais... Mais non, mais... Et du coup, il est dans le mauvais sens, on va encore tomber. Ah! Et ben voilà, forcément! Bon, ça me semble un peu compliqué quand même de ramener un Jaxi là-bas. Est-ce que je peux juste le casser avec mon cul? Non. Bien évidemment. Pourquoi t'as pas un cul en béton, Mario? Sérieusement. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut? Il y a peut-être une solution très très simple, hein, et je suis peut-être en train de me prendre la tête pour rien. Mais là, j'avoue, pour l'instant, j'ai pas d'idée. On verra ça la prochaine fois. Peut-être que j'aurai une illumination. Ou peut-être que je demanderai en secret, pas très secret, des indices. Soit à Axlorm, soit à Ben, soit au Todd à indices. Parce que quand même, on a de l'aide dans le jeu si on a besoin. Il faut le pouvoir de l'amitié, mais oui! Mais oui! Bref, allez, on va aller déposer les lunes quand même. Hein? On va pas garder tout ça sur nous. On les dépose. Pour la beauté du dépôt. Ou croire en l'âme des cartes, eh oui. Voilà. C'est vrai, c'est plutôt le perroquet. Parce que peut-être que le perro-truc donnera le nom. C'est vrai que le Todd va juste donner l'indice. Enfin, l'endroit.
Alors que le père au truc, il peut peut-être donner le nom de la lune. Donc j'aurais peut-être un indice comme ça avec un peu de chance. Donc on fera ça en dernier. Et si vraiment je trouve pas, même avec le nom, je demanderai de l'aide. Parce que. Allez, en attendant. En attendant, je sauvegarde et bah, je vous dis à demain si tout va bien. On verra comment je me sens. Mais si tout va bien, on est quel jour? On sera mardi du coup, même si on est bientôt le. On sera mardi. Ouais, si, j'ai peut-être la. Si, oui. En théorie, je devrais pouvoir streamer normalement. Si tout va bien. On fera peut-être un petit peu de Stardew demain soir. Ce sera cool. Mais ça reste si il y a stream. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. Hein. Comme je le dis à chaque fois, c'est quand même plus sympa quand vous êtes là. Et je suis contente parce que, bah, mine de rien, on est un peu plus nombreux quand même qu'au tout départ. Il y a un peu plus de viewers au tout départ qu'au tout départ. Donc ça fait plaisir. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Et puis on se retrouvera pour de plus folles aventures la prochaine fois. En attendant, des bisous, bonne nuit tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye!